courante dans le monde extraterrestre et c'est un domaine en pleine croissance également sur Terre. Des échanges de clones et des opérations commerciales ont lieu quotidiennement à très grand niveau entre planètes et entre espèces. Les recherches scientifiques et la production des centres de clonage impliquent la création de nombreuses formes hybrides, ainsi que des personnes entièrement créées depuis leur ADN ou qui sont génétiquement modifiées. La signature de traités entre certaines races extraterrestres et des gouvernements terrestres n'a fait qu'entériner une pratique qui s'est développée pendant des décennies. Des laboratoires de recherche scientifique, véritables centres de clonage, conduisant des projets importants en génie génétique, sont intégrés au sein de vastes bases souterraines, appelées DOMS en anglais, Deep Underground Military Bases, dont les plus vastes sont celles de Dolce au Nouveau-Mexique, aux USA. Mais il y en a aussi aux Bermudes, en Chine, en Russie, en Sibérie, en Afrique, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Afghanistan, en Irak, en Antarctique et également en Europe, Allemagne, Bosnie, Danemark, Espagne, Grèce, Italie, Norvège, Suède ou sous Paris et d'autres villes en France. Les bases se situent à différentes profondeurs sous terre et dans les fonds sous-marins, avec des entrées souvent dans des endroits isolés, difficiles d'accès ou peu attractifs. Les différentes races extraterrestres se partagent des zones géographiques et se regroupent dans une base en plusieurs groupes différents selon leurs intérêts communs. Certaines sont très actives tandis que d'autres se contentent d'observer et de collecter des échantillons. J'ai travaillé avec Zen, mon mentor, sur cette question des bases souterraines comme beaucoup d'autres sujets inconnus du grand public. Le centre des opérations souterraines était Dulce au Nouveau-Mexique, aux USA, avant qu'il ne soit envahi par les forces alliées. Ces bases autonomes, entièrement aménagées et approvisionnées, sont gigantesques et sont aussi étendues sous terre que les villes en surface. Elles disposent de technologies inconnues du grand public et sont alimentées en électricité par des centrales nucléaires en surface. Elles sont situées entre 1,5 km jusqu'à plusieurs centaines de kilomètres en profondeur sous la surface des grandes villes terrestres. Considérez la cartographie des villes sur toute la planète, la cartographie est la même sous terre. Chaque ville souterraine peut comporter jusqu'à 30 étages en profondeur qui sont accessibles depuis des entrées spécifiques en surface. Chaque niveau est divisé en départements de recherche avec des laboratoires spécifiques. Les premiers niveaux sont réservés au personnel humain, la sécurité, les services de communication, les quartiers d'habitation humaine. Puis en dessous, les laboratoires scientifiques, les centres d'expérimentation mentale,
les centres de loisirs réservés à de riches participants, puis à l'étage inférieur, les quartiers d'habitation extraterrestre, les laboratoires d'expérimentation génétique et enfin les salles de stockage cryogénique ou des capsules holographiques de mise en stase. Les clones sont fabriqués depuis leur ADN ou un ADN récupéré depuis un cheveu, de la peau ou du sang qui sont cultivés dans des nacelles médicales ou des poches artificielles remplies d'un liquide amniotique et de tout ce dont le fœtus a besoin pour se développer.